faut souligner que l'UCLI est une université ouverte à tous les étudiants qui souhaitent la rejoindre. Ils peuvent y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une formation humaine qui contribue à leur réussite. L'UCLI est un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, labellisé par l'État, mais les subventions publiques ne représentent que 10% de ses frais de fonctionnement. Pour permettre au plus grand nombre d'étudiants de profiter des formations de l'UCLI, nous avons donc mis en place un dispositif de bourse sociale qui permette aux étudiants de toutes conditions sociales de suivre le cursus qui correspond à leurs aspirations. 109 bourses d'études ont été attribuées pour l'année universitaire 2020-2021, auxquelles sont venues s'ajouter 34 bourses d'urgence liées à la crise du Covid-19. Le soutien des entreprises mécènes qui nous appuient fidèlement et le soutien de nos 500 donateurs est essentiel pour la pérennité de ce dispositif et de cette politique d'ouverture sociale. J'avais déjà effectivement, je sentais déjà toute l'importance en fait qu'avait l'école et l'importance de la réussite scolaire. Et effectivement, cette bourse m'a confortée, on va dire, dans cet objectif de réussite. Hein. Donc je suis extrêmement reconnaissante aux mécènes de nous avoir aidés, de nous permettre d'étudier dans des conditions les plus sereines possibles. C'est pour moi très fondamental. Lorsque l'UCLI parle de l'égalité des chances, je regarde aussi l'aspect sociologique qui fait que l'inégalité sociologique doit être compensée par une aide et c'est du bonheur de pouvoir donner, dans la mesure de ses moyens et de ses compétences, à une association qui véritablement promeut l'humanisme et l'excellence des réussites. Ça a été un honneur pour moi de rencontrer mes mécènes qui m'ont remis mon diplôme de bourse au mérite. Donc ça a été pour moi un honneur que de les rencontrer et de les remercier personnellement parce que je pense qu'ils œuvrent pour l'égalité des chances et je tenais à les remercier. La solidarité est une valeur que cherche à promouvoir l'UCLI depuis sa création en 1875. L'entrée dans une démarche solidaire se fonde sur la prise de conscience que chaque personne dans sa propre vie a beaucoup reçu. Nous avons reçu des talents, une formation, des compétences, mais qu'en faisons-nous ? Savons-nous les partager ? Je suis pour ma part impressionné par la manière dont les étudiants sont entrés dans des démarches solidaires tout au long de cette année de crise. Ils ont participé à la création d'une épicerie solidaire, ils ont entrepris des maraudes permettant d'apporter de l'aide aux personnes sans abri. La solidarité, c'est un engagement à prendre soin de l'autre. Et c'est bien cette expérience de la solidarité qui est proposée aux étudiants au quotidien, dans les maisons d'étudiants de l'UCLI où ils peuvent se loger, ou encore lorsqu'ils sont invités à participer à une permanence d'écoute pour les étudiants en difficulté, en lien avec le pôle santé de l'université. C'est fort de cette expérience de solidarité vécue à l'Université catholique que nos jeunes diplômés aborderont leur vie professionnelle.